Je suis trop content. Salut à tous. J'ai reçu mon micro-rod. Vous vous rendez compte? Émetteur, récepteur, ça tient dans cette petite boîte. Aussi grosse que ma tête. Vous avez vu? Je suis en train de faire à manger, là. Il est midi 20. On est jeudi. Et en fait, je m'en fous. Il faut que je l'essaye. Du coup, je vais l'ouvrir. Si j'arrive à l'ouvrir. Allez, sois mignon, sois gentil, ouvre-toi. Alors ça, c'est une exclu, hein. Ça vient tout juste de sortir. Ça sortit aux States il y a un mois. Et nous allons le tester en exclusivité devant vous, aujourd'hui en France. Ok? Petite boîte. Oh là là, comment c'est tout petit, c'est quoi ce truc de fou? Regardez! C'est un truc de dingue. Ça. Coller. Quoi se coller là? Ah, je suis en train de tout casser. Petit clip. Ça, c'est lequel? Ça, c'est le... Ils disent pas. C'est pas grave, de toute façon il n'y a pas le micro. Donc ça va être l'émetteur. Enfin celui qui émet le son. Non, il est là l'émetteur. Ça c'est le micro. Et là j'ai l'émetteur qui vient se mettre sur le... N'importe où en fait, il y a un clip aussi. Vous pouvez le clipser ou alors vous le mettez sur votre appareil. Moi c'est ce que je vais faire. Et là on va faire un test. On va tester tout ça. Obligé. Les petits câbles en USB-C, donc ça c'est super top. Voilà, port USB, port USB-C de chaque côté. Voilà, alors donc, petite moumoute pour brancher là-dessus. Vous clipsez sur votre micro. Voilà, et vous avez votre petite bonnette. Donc, j'enlève le petit scotch. Ah non, ça c'était une protection, vas-y, je laisse, on sait jamais si je l'esquinte. Vous savez, c'est comme les films sur les téléphones, on essaie de les laisser le plus longtemps possible derrière pour éviter que ça s'esquinte. Donc voilà, ça en fait c'est mon micro. Ça c'est un truc de dingue. Ça en fait c'est mon micro. Je le clipse où je veux. Donc là, on va dire, je clipse là. Voilà, et je suis prête. Blablabla. Bla, bla, bla. Voilà, ici, on a petit câble. Pour brancher sur le... On a encore une deuxième bonnette au cas où. Un petit sachet de sel pour faire cuire les pâtes. Voilà. Et ce qui est super bien, c'est qu'on a la petite pochette. Voilà. Ça, c'est vraiment bien. Petite pochette, toute douce. Par contre, je ne vois pas le petit crochet pour l'accrocher sur le... Ça se trouve, c'est prévu pour... Ça se trouve, c'est prévu pour venir s'enquiller directement dedans. Oh, si c'est ça, c'est bien fait. Je vais essayer. C'est magnifique. Il y a le petit truc qui sert de clips. Ben, il se met, il est la même taille que les petits accessoires, vous savez, pour venir glisser votre micro, en fait, dedans. Donc, ça vient de l'appareil, il ne faut pas que je le perde. Donc, c'est super bien. Eh bien, écoutez, j'ai juste envie de dire une chose. Il faut qu'on essaye. Il faut qu'on essaie. On dit on essaie, pas qu'on essaye. Hein? Et j'ai une petite sauce au poivre, une petite sauce moutarde à l'ancienne qui est en train de cuire. Je sais pas si je vais la foirer. Hop, mais je m'en fiche. Donc, je branche, on va faire ça en live, hein. Regardez, je branche le micro. Donc voilà, ça fonctionne. Tout à l'heure, j'étais en train de vous parler, mais en fait, ça ne fonctionnait pas. Je l'avais mal branché, tout simplement. Donc en fait, voilà, je suis super content. Qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est tout petit. Ça se recharge avec des ports USB, USB-C. On n'a plus besoin de mettre de prise, donc maintenant, quasiment tout est en USB-C. Donc ça, c'est vachement pratique, en fait.
Et il y a la petite pochette, tout ça. Le prix, c'est de mémoire, c'est dans les 210 euros. Et moi, avant, j'avais le Rode, vous savez, avec le boîtier plus le micro-cravate ici. Et ça, je l'avais payé pendant 300 euros. Donc au final, ça me revient moins cher. C'est tout petit, c'est super pratique. Ça s'appaire à la vitesse de la lumière. C'est un truc de fou. Vous allumez, tac, 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 hop, ça y est, c'est bon. En 2 secondes, vous pouvez commencer à prendre votre son, quoi. Donc ça, c'est vraiment top. Voilà, je l'ai acheté sur le site Thomann.fr. Il n'y a pas de partenariat, hein, je tiens à le préciser. Voilà, je l'ai acheté, je l'ai vraiment acheté. Hein. Mais bon, j'ai été super content du site. Voilà, ils avaient bien dit qu'ils l'avaient pas tout de suite, mais qu'on pouvait faire les précommandes. Je l'ai précommandé il y a environ un mois, et puis là, bah ça y est, il est arrivé. Donc, je suis super content. Ce nouvel outil va vraiment bien m'aider dans nos vidéos. On va aller faire un petit test dehors, et vous allez voir ce que ça donne. Donc, avec la petite bonnette et tout, j'ai commencé à essayer. Franchement, ça fonctionne super bien. Et voilà, et si vraiment on veut que ce soit plus discret, ben, on peut le mettre ici. On lui branche parce qu'il a une sortie casque. On lui branche un petit micro-cravate. On va faire un test dehors et puis après je vous dis au revoir. Alors voilà, on se retrouve dehors pour faire un test et ça tombe bien parce qu'en fait il y a du vent et j'ai mis la petite bonnette. Donc je vais parler normalement, je ne vais pas parler plus fort ou quoi. Il y a 40 km/h de vent. Et ce qui est bien, c'est que j'ai un petit retour, j'ai un petit pictogramme qui bouge comme ça sur mon écran. Donc je ne sais pas si tous les appareils c'est comme ça, mais du coup ça me permet de voir que mon micro il fonctionne bien et que ma prise de son elle est ok. Voilà, donc je vais marcher et puis on va voir jusqu'à combien ça va, quoi. Ce qui est bien, c'est qu'il y a des bruits, on entend Théo qui est là-bas, il y a un groupe électrogène qui est démarré. Donc normalement, vous ne devez pas trop les entendre et vous devez plus m'entendre moi. Allez, je vais faire 5 mètres. 2, 3, 4, 5. Voilà, donc là, je suis à 5 mètres. Je ne sais pas quoi vous dire, en fait. Du coup, je vais aller à 10 mètres. Là, je suis à 10 mètres, voilà. Maintenant, j'ai toujours pas plus de choses à dire à 10 mètres. Du coup, je vais avancer encore un peu. Voilà, je suis à 15 mètres. Ça va? Vous m'entendez toujours aussi bien à 15 mètres? Ouais. Bon, bah c'est cool. Allez, je vais à 20 mètres. Là, c'est bon. Je suis à 20 mètres. Vous m'entendez bien? C'est cool. On va aller à 25 mètres. Vous pouvez voir là que c'est toujours aussi nickel, j'espère. Après, voilà, je pense qu'à 40 mètres, il n'y a pas forcément besoin de prendre une prise de son si on est à 40 mètres de haut. Mais bon, 40 mètres de distance. Voilà, tout ce qu'on peut retenir, c'est que c'est un micro qui fonctionne super bien. Je ne vais pas vous faire des blablas, des caractéristiques techniques, ceci, cela. Voilà, vous regardez sur les notices, ça sera aussi bien. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il est petit, il ne prend pas de place, il se branche sur un port USB-C. Pour les recharger, c'est bien plus pratique que des piles. Et voilà, le gros point fort, c'est ça, c'est le côté compact, en fait, hein, on va dire. Voilà, moi, en tout cas, pour mon style de vidéo, je suis souvent en train de faire des vidéos tout de suite sur le pouce. Bah, c'est vachement plus pratique qu'un gros micro, qu'un gros boîtier récepteur avec des piles et un micro-cravate. J'ai juste à le prendre, je le clipse. Le petit boîtier qu'il y a sur l'appareil photo, il est tellement petit qu'il va rester dessus tout le temps, en fait. Je vais même pas me prendre la tête, je vais le recharger comme ça, et voilà, avec une batterie externe ou quoi. Ça va aller nickel. Et moi, je suis super content. En tout cas, tout ça pour 210 euros. Voilà, je pense que tout le monde aura que ça par la suite. Et ce qui est bien, les amis, c'est que j'ai une petite bonnette et je peux la caresser quand j'ai envie. Vous voyez? Du coup, ça me détend. Et ce qui est bien, c'est qu'il est sorti aux States en avril. Et là, nous, ça fait un mois qu'on l'attend. On l'a reçu et j'espère que je vais être le premier à vous faire cette vidéo en France. Ce sera pas la plus belle des vidéos, ça, c'est sûr. Mais c'est pas grave. Ce qui compte, c'est que moi, je l'ai essayé, j'en suis super content et je vous ferai des retours par la suite, savoir où ça en est. Et voilà, que vous dire de plus? Quoi vous dire de plus? Je sais pas. Vous voyez comment ça se présente? C'est tout petit comme ça. C'est vraiment minuscule. Hein. Hop, le petit câble, impeccable. C'est super chouette. Ce micro est vraiment une tuerie. Je vous aime, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt et si vous hésitiez pour vous acheter un micro, ben franchement celui-là, je pense qu'il est vraiment tout terrain, il ira partout et il a une petite pochette aussi. Il a une petite pochette, c'est pas rien. Voilà. Abonnez-vous, mettez des petits pouces et à bientôt. Bye bye.